Waouh! Bonjour frère et soeur, comment allez-vous? Bienvenue sur Sobonne, aujourd'hui nous allons parler des choses extraordinaires. Ah! Que se passerait-il si vous découvrez un jour que la personne en qui vous avez le plus confiance vous trompe? Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Prenons le cas où un homme qui aime beaucoup sa femme s'est fait tromper par elle. Et que cette personne même, à cause de ça, elle est prête à se séparer de cette femme. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Vous, à la place de cette personne, que feriez-vous? C'est un truc de ouf, mais ça arrive. On a vu Davido et Shoma. On a vu la vidéo d'hier, non? Ah! Ça peut arriver. Nul n'est parfait. La fille, elle a trompé. Ouais, c'est vrai, elle a trompé. On dit qu'elle était infidèle. Mais nous sommes des humains. On commet des erreurs matin, midi et soir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Qu'est-ce que nous devons faire dans ce genre de situation? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est vrai, elle t'a trompé avec une autre personne. Ce sera vraiment difficile pour toi d'aller vers elle encore. Parce que tu vas la voir différemment maintenant. Peut-être que tu avais beaucoup confiance en elle, mais elle t'a trahi. Et beaucoup de personnes appellent ça la trahison. Quelle que soit les décisions que tu vas prendre après tout ça, il faut que tu arrives à faire une chose. Il faut que tu arrives à la pardonner de tout ton cœur. Oui, il faut lui pardonner. La plupart du temps, quand les hommes trompent leurs femmes, personne n'en parle. Hein. On se dit que c'est normal. Mais quand ce sont les femmes qui trompent les hommes, tout le monde est là. Ah, pourquoi elle a trompé? Ça c'est qui ça encore? Ça c'est quoi ça encore? Comme si, comme ça, moi je ne comprends pas. Mais les femmes ne trompent pas les gens. Apparemment, ça fait plus mal quand une femme trompe son homme. Mais nous, on n'a pas dans le cœur des femmes aussi pour voir comment elles ressentent ça. La plupart du temps, les gens oublient au but de pardonner avant de faire des break-up. Genre avant de vous séparer. Apprenez quand même à vous pardonner. Et prenez la décision qu'il faut pour que ça s'arrange. Avez-vous déjà vu un couple où l'homme a découvert que sa femme le trompe et il a décidé quand même de continuer avec cette femme? Avez-vous vu ça? En tout cas, il y a des gens qui aiment beaucoup leur femme et ils sont prêts à abandonner. Quand l'amour est trop, on peut même faire des choses de folie, des choses hors du commun parce qu'on se dit vraiment... On aime cette personne. Ah! 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 Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé. Je vais vous donner même un exemple. Il y en a un témoin puissant ici sur ce monde. Nous avons vu une personne qui disait que il y a un homme, il y a une femme qui a rencontré un homme sur les réseaux sociaux. Et elle a amené le gars chez elle à la maison. Et c'est sur le lit. Le lit où elle fait les trucs avec son copain, c'est là elle allait faire encore les trucs avec la nouvelle personne qu'elle vient de rencontrer. Et cette nouvelle personne là, ce nouveau gars là, lui, il n'a pas idée que la femme, elle a quelqu'un dans sa vie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, voici que son homme est arrivé, elle les a surpris sur le lit en train de faire les choses. Flagrant délit. Quelle sera sa réaction selon vous? Sa réaction a été immédiate. Il est tout de suite allé quelque part dans l'une des chambres de la maison pour prendre un revolver, un pistolet. Et il a tiré sur les deux. Il a tué l'homme, il a tué sa femme. En même temps. Que s'est-il passé? Là, même là, il n'a même pas eu même le temps pour dire, il va réfléchir.
à ce qui vient de se passer, est-ce qu'il doit pardonner tout ça? Il dit, mais frère, selon ce que j'ai reçu comme information par rapport à ça, là, on nous a dit qu'il a abattu les deux, là, sa femme et ce gars en question. Les deux sont morts sur les lits. Mais il a fait de la prison pour ça. Il a fait de la prison pour ça. C'est juste comme ça. Quand tu fais un an en prison, même juste un mois, même tu commences à penser que tu as fait une mauvaise chose et que tu as mal fait. Quand il va revenir à la raison, qu'est-ce qu'il va même faire? Qu'est-ce qu'il va même faire? Ah, qui m'a poussé? Il y a beaucoup de femmes comme ça. Dans le monde, si elle m'a trompé, il peut lui pardonner et puis prendre une autre. Oui, hein? Ah. Dans tous les cas, il faut vraiment être vigilant. Il faut vraiment être très prudent et ne pas prendre de mauvaises décisions comme ça. Vous devez me croire, vous devez me croire. Est-ce que toi, ta femme t'a déjà trompé? Il y a un homme, lui, il n'est pas dans le discours. Dès qu'il a vu un signe de tromperie en même temps, il a dit au revoir à sa femme en même temps, elle venait de lui donner un enfant. Genre, lui, il était allé en voyage. Il était allé travailler. Mais lui, il allait travailler, il allait chercher l'argent pour nourrir la famille. Pendant que lui, il n'est pas là, sur son dos, sa femme envoie des messages aux gens. Et parmi ces messages, lui, il est tombé sur un message. T'as vu? Faites attention, c'est que vous ne serez pas prêt à faire... ce que vous faites dans le noir, que vous ne serez pas prête à faire dans le grand jour comme ça, là. Ne le faites pas. Lui, il est tombé sur le message. Maintenant qu'il est tombé sur le message, il voit le message du genre, sa femme écrit à sa camarade pour dire, voici, il est allé en voyage. Dieu se sait ce qu'il est en train de faire là-bas. Il est en train de bien profiter de la vie avec les femmes. Si moi-même, je n'étais pas enceinte là, il y en a aussi, aller ici, faire la même chose. Elle a parlé ainsi, peut-être comme pour rigoler à sa camarade. Hey, imaginez la suite, dès qu'il a vu, il a tombé sur le message. Pour lui, c'est comme si elle a déjà commis le péché. C'est comme si elle a déjà commis le péché. Il dit, oh, prends tes bagages, pas chez toi. Ah! Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, comment ça, il y a quoi? Regarde, il t'a acheté un nouveau iPhone. Le nouveau iPhone, il dit, je veux aller travailler, j'ai bien bossé, je reviens, je dois t'offrir un cadeau. Maintenant, moi, je reviens, regarde sur quoi je tombe. Hein, mais ça, où tu dis à ta camarade que si j'étais à ma place, tu allais aller aussi coucher avec des gars. Ça, c'est la tromperie. Déjà, pour lui, elle a trompé. Vous avez vu, les intentions même peuvent être jugées, hein? Par vos intentions. Hey. On dit quand tu as regardé une femme, même si tu c'est à dire quand tu as regardé une femme, puis tu l'as déjà pensé sur ton lit là, tu as déjà péché. C'est pas ce que Dieu dit. Ah, en tout cas, ce gars là, il a même vu très loin, même en même temps, il dit oh, elle a capté chez elle, parce que lui veut pas mettre son cœur sur elle. Il peut pas comprendre que lui va travailler en Europe, il revient et puis c'est ce qu'elle fait sur son dos. Qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, il n'a pas apprécié ça. C'est difficile pour les hommes de pardonner les tromperies. Et même quand elle ne t'a pas trompé, même déjà, même tu as des problèmes avec ça. Imaginez la suite. Dans le cas de ce gars-là, de cet homme-là, de ce dernier-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelqu'un va dire, oh, l'enceinte, elle a parlé comme ça juste pour rigoler. Mais la plaisanterie, vraiment, c'est une chose... Non, on doit vraiment tout faire pour s'en débarrasser quand même. Parce que vous avez vu ça. Dieu merci, après plusieurs réflexions, ils ont réglé le problème. Elle a fait revenir à la maison. Elle a même donné naissance à une fille. Et quelques temps plus tard, il a décidé de la doter. Donc ils sont sur la voie du mariage. Ça veut dire que là, ce problème-là, elle a permis de se comprendre bien, comprendre qui est l'autre, qu'est-ce que la personne n'aime pas, afin de pouvoir bien se gérer dans le futur.
un truc de ouf, un truc de ouf. Ça, c'est quoi son corps? Nous sommes en famille, ça, on se donne de vrais conseils. Si toi, ta femme t'a trompé, qu'est-ce que tu dois faire? Faut tout faire pour lui pardonner d'abord, même si vous êtes séparés là. Faut lui pardonner. Mais, vraiment. Et puis, si tu lui as pardonné, il faut pas te séparer. En même temps, regarde aussi les enfants. Ah, les enfants. Souvent, quand vous vous trompez la femme, la femme elle pardonne, beaucoup. Mais souvent, les femmes, moi, je vois, les femmes la pardonnent beaucoup par rapport aux hommes. Pourquoi les hommes aussi ne font pas un effort au cas où ça arrivait? Il faut apprendre à pardonner. Que Dieu commence même par me donner la force, à moi-même aussi, on ne sait jamais, afin qu'il puisse pardonner. Ok, pour la prochaine vidéo, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pensé qu'on a bien parlé, même, abonnez-vous et cliquez sur ce j'aime. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go. Ah! J'ai dit let's go, c'est fini! Coupez maintenant! Avant que je dise let's go, c'est fini, ça veut dire que c'est fini. J'ai cru que si tu déposes, ça ne quitte pas. Ou bien ma femme ne va pas me quitter. Peut-être que c'est un signe que je ne trompe pas. Pour dire que ma femme ne va jamais me tromper. Ok. Est-ce que vous connaissez aux superstitions? Restez dans la partie commentaire. Et si vous avez des sujets, vous aimeriez qu'on traite certains sujets, allez-y dans la partie commentaire. Écrivez votre sujet et nous tenterons de résoudre le problème avec tous les abonnés ici. Peut-être même on sera en live, vous serez là aussi. On va en parler, qui sait. Bon, que Dieu nous aide. J'ai oublié, nous avons trois chaînes. Quelque chose va aller, ça pas d'accueil. Vous allez le voir. Nyan sur bon 2, Nyan sur bon 3 et Nyan TV. Sur Nyan TV, ha. Nous sommes actifs ce temps-ci. Il y a des nouvelles choses qui arrivent là-bas. Dieu nous donne trop d'inspiration, trop de force. Merci Seigneur. Ok, pour moi, pour la prochaine vidéo, je pense que ça doit être fait maintenant. C'est parti.